Si tu veux des crédits pas chers sur FIFA 17, ça se passe sur IGVolt. Pendant les fêtes de fin d'année, avec le code YOMAX38, obtiens 16% de crédit bonus. 16% frérot. Yo tout le monde, est-ce que vous allez bien? Parce que moi, pas du tout. Ok, c'est le 31 janvier, la vidéo sortira certainement le 31 janvier, ouais, ça part en couille dès le début. C'est le réveillon, 31 décembre, tu connais. Et moi frérot, malheureusement je suis tombé malade. Ceux qui étaient sur live avant-hier, ils ont capté, hein. J'étais mal. Ah ouais, là je suis grave malade les gars. Et du coup le réveillon, ben j'avais prévu un petit truc, mais du coup je vais quand même essayer de sortir, mais pff, bref, je suis mort quoi. Bref, l'équipe de la semaine, ah oui là faut s'y attendre, hein, les packs opening, mois de janvier, il va y avoir quasiment que ça sur la chaîne. Les totis, normalement ça va sortir la semaine prochaine, 9 janvier par là, semaine prochaine, il y a les totis. Donc les packs opening, il y en aura beaucoup sur la chaîne, je sais que beaucoup ils apprécient ça, d'autres un petit peu moins. Mais voilà, là c'est le mois de janvier, vous connaissez les totis, beaucoup beaucoup de packs opening. Donc l'équipe de la semaine, inutile de vous préciser quel joueur je veux, Eden Hazard, Pogba, il y a même Lacazette qui est vraiment très très bon. Et à peu près tout. Il y a Thiago qui est pas mal, Icardi qui est pas mal. Mais c'est vrai qu'on veut taper dans le lourd. Nous. On veut taper dans le lourd du Pogba, du Hazard. Et oui, pack opening, du réveillon. Parce que EA, même si c'est le réveillon, ils s'en foutent gros, ils te mettent des packs spéciaux. Ils te mettent des vrais packs spéciaux. T'as 5 packs à 50 000 que tout le monde va ouvrir je pense. Vu que voilà, t'as un jour pour les ouvrir. Donc demain, voilà, 5 packs à 50 000, c'est toujours des bons packs les packs à 50 000, mais surtout t'as des packs à 100 000, t'as des packs à 100 000, tu peux ouvrir autant que tu veux gros, vu que là, voilà, c'est le réveillon, pas tout le monde les ouvre, même Castro, il les ouvre pas par exemple, alors que là, après Castro, il les ouvrirait, peut-être qu'il en resterait que 10 000, tu vois, en 15 minutes, je sais pas, hein. Bref, on va les ouvrir nous, mais avant toute chose, je voulais juste vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2017, moi, les résolutions, ça sert à rien d'en prendre gros, faut pas attendre une année, enfin, le jour où on change d'année pour prendre des résolutions, frère, si je devais maigrir, c'était en 2016. Si je devais maigrir, c'était aussi en 2015. Gros, y a pas besoin de prendre des résolutions. Si je veux maigrir, c'est pas en 2017. C'est un jour ou l'autre, faudra que je me réveille, que je dise, faut que je fasse ça. C'est pas parce qu'on change de jour en fait, on change de jour, que je vais prendre des résolutions. Non, les résolutions, faut les prendre du jour au lendemain. En tout cas, j'ai passé une merveilleuse année 2016 grâce à vous les gars, parce que la chaîne YouTube, bah merci, merci, ça a explosé cette année. On a pris peut-être le double d'abonnés de l'année dernière, je sais pas, j'ai pas regardé. Et là, on arrive normalement, là il me reste 500 abonnés avant les 700 000. Donc en gros, mon cadeau de la nouvelle année, 700 000 abonnés, c'est magnifique, je vous remercie, vous gérez les gars, et je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2017. Et il y a un truc que je me dis, l'année dernière, la chance que j'ai eue dans les packs opening, j'en avais un petit peu, mais elle est vraiment arrivée en janvier, elle est arrivée pour les totis en fait, et ensuite depuis les totis jusqu'à la fin de l'année, juin, pendant les tots, j'ai eu une chatte de malade mental. Je me dis que cette année ça va être la même chose. Je me dis ça y est là on rentre en janvier. En vrai de vrai la vidéo elle va sortir en janvier. Donc on peut dire que c'est une vidéo de janvier. Je me dis que ce soir on peut pourquoi pas chatter. Et la chatte peut commencer à arriver. Et en fait elle va nous suivre toute l'année 2017 hein. Je ne sais pas mais en tout cas c'est ce que j'espère. Allez on va commencer par un petit pack à 50 000. Les animations et tout j'aimerais bien en débloquer. Les boosts aussi c'est important parce qu'il y a les SBC actuellement. Je vais essayer d'en garder de côté. Le jour où il y a une équipe de la semaine de port, je vais ouvrir tous les SBC que je peux là. Ou quand tu ouvres le SBC t'as une carte équipe de la semaine en cours. En tout cas on commence par un petit Hernandez. Voilà c'est pas sympa du tout mais on prend quand même. Boum le dernier à 50 000 et même pas d'animation. Et peut-être un gros joueur. Et ben frère les 5 packs à 50 000 tu me crois pas j'ai eu 5 petites étoiles. Alors si ça se passe à la même chose pour les packs à 100 000 je peux te garantir que EA, ils vont m'entendre hein. Tranquille on est obligé. De toute façon on est obligé de débloquer une animation avec tous les points FIFA qu'on met. Normalement on est obligé. Normalement on est obligé mais gros regarde. Voilà enfin une étoile assez sympathique. Mais c'est pas Dybala. C'est Cazorla. Franchement, non, non, Cazorla, je veux bien que tu me donnes Cazorla. Mais je veux que tu me donnes avec de plus gros joueurs à côté de lui. Non, il y a Kanté quand même dans le pack. Ok, vas-y, le premier bon pack de la vidéo. Clairement, là, je suis sur une série dégueulasse de packs. Voilà, j'étais sur une série dégueulasse de packs. Mais il y a au moins une animation qui relève le niveau. L'étoile n'est pas forcément très grosse, mais c'est un Français. C'est Paul. Mais non, il est boost, Paul. C'est Griezmann. C'est Griezmann, premier gros joueur du pack opening. Antoine Griezmann, les gars. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Enfin, un beau pack dans ce pack opening. Ça fait plaisir. Yes. Coucou. Ça aurait pu être Pogba, mais il est boost cette semaine. Et là, on a vraiment un bon pack avec Antoine Griezmann que je vais peut-être garder. Griezmann, c'est toujours un joueur qui sert. Je vérifie un peu les prix. Il a un peu baissé ces derniers temps, mais il est toujours dans une fourchette de 150-200 000 crédits. Donc, c'est beau. Hein. Franchement, très beau pack cette fois-ci. On est heureux, on peut le dire. Allez, bon, on continue. Peut-être une deuxième animation d'affilée. Non, un boost peut-être, s'il te plaît. J'aurais bien aimé débloquer un boost parce que, en fait, on a...
J'ai toujours pas débloqué de boost dans ce pack opening et ça m'intéresse vraiment les boosts. Parce que c'est avec ça que je vais faire les SBC pour débloquer d'autres boosts. Et que je vous ai dit, je vais les garder ces boosts que je vais faire. Et du coup, ce serait bien qu'on obtienne des boosts aussi. C'est des packs à 100 000. Il y a des boosts qui sont vraiment dégueulasses et que j'obtiens tout le temps d'habitude. Mais que là, pour le moment, j'en ai pas sorti un seul. Alors peut-être dans ce pack. Avec ce pack, peut-être, bah voilà. Et ben, suffit d'en parler, il y en a même deux, là. Voilà, Westwood, merci, Westwood. Voilà, là, ça me fait plaisir. Il y en a peut-être deux, je crois. J'ai vu deux étoiles, peut-être. Voilà, deux, Brillant et Westwood. Typiquement, les joueurs que tu mets dans les SBC. Voilà, fallait que j'en parle, en fait. Fallait que j'en parle. De la même manière, maintenant, je vais vous dire que j'ai toujours pas packé Ronaldo. Ce serait bien que je packe Ronaldo. Franchement, on a besoin de Ronaldo. Ok, dommage, on va pas avoir de Ronaldo ensuite. Mais attention, un petit décès allemand au LS. Je vais faire un petit nose pack et je conseille à personne de venir ouvrir des packs chez moi dorénavant parce que la manette elle va être pleine de microbes maintenant. Hein. À partir de maintenant, parce que mon nez, je peux te dire qu'il coule vraiment. Hein. Le nose pack, j'espère qu'il me portera chance. Vas-y, wesh. Y'a quoi dedans? Y'a un boost quand même, y'a un boost. Tu sais, on est content des boosts. C'est qui? Bellarabi, on dirait. Non, c'est pas Bellarabi. Qu'est-ce que je raconte? C'est Muller. C'est quoi? Il est pas mal. Il doit peut-être se vendre un peu plus cher que les autres. Hein, parce que les brillants et tout qu'on a eu tout à l'heure, ça se vend rien. Que dalle, les gars. Mais celui-ci peut-être un peu plus cher. Il a quand même 90 de vitesse. 3 étoiles geste technique, c'est ça qui pêche un petit peu. Il va nous servir clairement pour l'SBC lui aussi. C'est peut-être ce pack. Oui, c'est ce pack. Yes, une animation. Yes, un boost, s'il te plaît, un boost. Oh oui, ma première légende. J'espère que ce sera une légende de ouf. Non, ce sera pas une légende de ouf. Mais oui, elle est là, la première. Je vous ai dit, c'est à partir de janvier qu'on a de la chatte ici. J'avais eu l'année dernière, lui, Litmanen. Alors, ça doit pas être celui qui se vend le plus cher, mais qu'est-ce que s'en va les couilles. La première légende, elle est là. Litmanen, ok, c'est nickel. Ça, c'est bien. Avec qui? Des fois, il y a du lourd avec. Non, il y a pas Costa, c'est pas mal. Mais Gary, ou Jari plutôt. Je crois que c'est Jari. Voilà, Jari Litmanen. Je l'avais eu l'année dernière. Écoutez, c'est pas une légende de fou, hein, ok. On est d'accord là-dessus. Le prix, c'est pas ouf. Mais on s'en bat les couilles. Notre première légende, elle est enfin là. Ça fait plaisir. Tu fais plaisir, frérot. Ah, tu fais plaisir. Bon petit sourire et tout. L'année dernière, je l'avais eu. J'espère que je peux créer les mêmes que l'année dernière, du coup. Parce que je me rappelle, j'avais eu Mataos. Et Mataos, c'est vraiment du très très lourd Mataos. Donc voilà. Oh là là. Première légende, ça fait plaisir. Et ben voilà. On est heureux. Maintenant, on va essayer de pas s'arrêter en si bon chemin. Et ça fait plaisir, putain. Ça fait plaisir. Première légende. Ça, c'est cool. J'avais, oh là là, une nouvelle animation. Je l'avais dit, Ravsou, au mois de janvier, j'ai du lourd dans les packs. Et là, c'est qui? Allemand, ça va être Ozil, à mon avis. Et ça va être... Ah non, oh, Boateng. Oh là 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 là, mais c'est du archi sale, Boateng. Il est archi lourd, Boateng. Franchement, pour moi, c'est le meilleur défenseur central du jeu. Enfin, en version pas de légende ou quoi, hein. Je te parle vraiment, c'est le meilleur défenseur central du jeu. Il est trop fort, Boateng. Yes! Deuxième vraiment gros joueur, je pense. Quoique non, troisième avec Griezmann. C'est vraiment un gros joueur, Griezmann. Oh, on est content. Ah ouais, là, on est châteux. Et ouais, il est cool ce pack opening. On va le mettre dès l'équipe active. On va remplacer l'autre. Et l'autre, on va le placer sur la liste des transferts. Voilà, la vie est belle. Franchement, nickel. Et enfin, le dernier pack de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2017. J'aurai pas un joueur de fou dans ce pack. Keylor Navas 85, merci, c'est cool. Mais voilà, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2017. Que tout se passe bien pour vous. Et moi, juste à vous dire un truc, c'est qu'on a été châteux dans cette vidéo. On a été châteux tout de même. Alors, c'était pas la grande joie. Hein. T'as bien vu, je suis malade. Hein. Je me suis pas enjaillé alors que j'ai eu une légende. Et voilà, parce que je me sens pas m'enjaillé de ouf. Après, je chantais aussi que ça allait pas être pelé la légende. Mais si ça avait été pelé au Gullit, t'inquiète pas, l'enjaillement il aurait été total. Là, j'ai eu Litmanen. Peut-être la plus pétée. Non, peut-être pas la plus pétée, mais. Mais voilà, c'est une légende quand même, t'es content. Et voilà, franchement, ça va, le pack opening était sympathique, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime. Moi, ben, écoutez, je vais manger en famille et je vais voir si je vais réussir à sortir ensuite, voilà. Passez une bonne soirée, les gars. Merci à tous de me suivre. Ciao tout le monde.